Salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder, tout seul cette fois, en solo, hein, je me prends... Là c'est le soir, je joue tout seul, tranquillement, je me suis dit, bah tiens, vous vouliez du jet et j'ai vu que le ki de sang était un peu amélioré, donc je me suis dit, allez, allons-y, allons faire du ki de sang. Donc qu'est-ce qu'ils ont amélioré sur le ki de sang? Tout simplement, déjà il a plus d'essence, enfin plus de fuel quoi, plus de carburant, il est à... 6 minutes de carburant au lieu de 4, donc ça aide énormément. Ensuite il a écopé deux volets, hein, vous le voyez, je les ai rangés vite pour pas les péter, mais ils sont bien là. Et voilà, mon avion est stock, hein, mais j'ai quand même pas mal joué avec, donc on va voir ce que ça donne. Ça devrait bien se passer, j'espère choper du... Ah bah, j'allais dire j'espère choper du B29, mais je les vois déjà, regardez. C'est des B29 ou des jets? Parce qu'ils sont... Non, ça a l'air d'être des jets, ces enfoirés. Ah. J'ai fait une tentative juste avant, j'ai abattu un B29, mais il m'a mis en feu. Un gros coup de chatte encore, là j'en ai marre. J'ai jamais de chance, moi. Ce petit bijou, le ki de sang, avec un petit skin, hein, que j'aime beaucoup. Sinon, je voulais vous dire, récemment, je suis allé voir American Sniper au cinéma. Bah, nom de Dieu, c'est une tuerie. Il est excellent. Mais attention, je tiens à prévenir ceux qui sont un peu... Je vais pas dire fragiles, parce que c'est très péjoratif. Mais ceux qui sont un peu, qui ont un peu du mal à encaisser certaines choses, n'allez pas le voir, parce que psychologiquement... Psychologiquement, il est dur à encaisser quand même. Je sais pas, ceux qui sont allés le voir, dites-moi alors votre ressenti, mais moi je l'ai trouvé dur à encaisser psychologiquement. Il était vraiment un bon film. Il est pas violent. Hein. Il y a pas de passage gore ou de démembrement, machin, par coup de sniper. Hein. Non. Mais il est psychologiquement là, le message que Clint Eastwood vous fait passer, je l'ai trouvé assez dur à encaisser, on va dire. Mais bon, ça reste c'est un très très bon film, hein. Ça, je vous le recommande d'aller le voir si ça vous gêne pas. Si vous... Parce qu'il y a vraiment certains moments, c'est chaud, quoi. Psychologiquement, c'est... Ouais, encore ce mot psychologiquement, mais... Ok, je lui ai mis cher. On va refaire une passe. Il est où ce fils de pute? Il est là. Got it. Et hop, ça s'est fait. Vite fait, bien fait. Et j'ai utilisé la moitié de mes balles dessus. C'est très bon, c'est très propre. Bon, on va économiser le fuel un peu. J'ai vu un point noir par là, qu'est-ce que c'est? C'est un autre bombardier, un Avengé. Ha ha! Ha ha ha! Bon, bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dis pas non. Hein. Ouais, mais il vient sur moi, hein. Il a des couilles. Hein. Il a des couilles, cet Avengé. Mohahahaha. Hop, 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 hop. Sors d'où, mon petit pote, toi? Par contre, j'ai le moteur qui a pris, ça c'est pas une bonne chose. Par contre, le météore qui me distance, je ne tolérerai pas un tel affront.
Surtout que j'ai mon moteur qui est en train de virer au noir là. Si vous voulez mon avis, c'est pas bon du tout. Je pense que là, si je coupe mon moteur, je le revois plus. Non, c'est moi qui l'ai éteint. Stressez pas. J'ose pas aller me poser sur A, je sais qu'il va venir me baiser. C'est bon, j'ai mon pote qui descend qui arrive. Ah, le silence. À part que j'entends mon PC faire. Bon, on va essayer de poser cette chose maintenant. On va déjà descendre un peu. Et là, 2 kills, je m'en sors pas trop mal, mais bon, c'était des kills assez simples, hein. C'est. Cet avion a été conçu pour ça, hein, à la base. Hein, il a été conçu pour abattre du bomber. Donc on a abattu du bomber. Ouais, tiens, un B-17 là-haut. J'arrive vite quand même. Ah, il s'est écrasé. Abruti. On va essayer de le poser, je dis bien essayer. Putain, il a des volets, je suis trop content, il a des volets. Vous savez même pas ce que. Ceux qui n'ont pas jamais joué le Ki 200, vous savez pas ce que c'est d'avoir des volets sur cet avion. Ça change la vie. J'arrive vite. Oh putain. Ah non, c'est l'L4, j'ai eu peur. Putain, je suis presque bon là. Oh, regardez-moi cet atterrissage. Oh! J'ai fait un atterrissage parfait. Parfait. Trop bien. Trop bien quoi. Trop bien. Je suis content de moi. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi, je le dis. C'est pas facile de poser cette bestiole. Hein, parce que si vous stabilisez pas bien, il y a l'aile qui dit ciao quoi. Et l'avantage c'est qu'on repart tout de suite en l'air quoi. Bon allez, allons finir ce pauvre bot. Il a l'air de souffrir. Bouh. Et je sais pas, mais je sens que le dernier se planque là-haut. Alors on va grimper.
Bon, on n'est pas trop mal là. 2 kills de bot. J'aimerais bien m'offrir un petit troisième kill. Putain, je suis à 30 degrés, je prends de la vitesse. Si c'est pas génial ça. Cet avion. Regardez ça. Oh là là. Elle est pas belle cette image. Ah, attendez. Là, là on tient quelque chose. Putain, cet avion, je... Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Salopard. Yes. Je t'ai trouvé. Je t'ai tué. Bonne petite partie là. Bonne petite partie. Je suis content. Je suis content. Je vais m'arrêter là, parce qu'il se fait tard quand même, le temps de vous faire le montage comme ça, et peut-être l'upload. Je veux finir tard, donc si ce petit gameplay riche en action vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, et puis à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Nexos. Les scores, attendez, avant de voir les récompenses, qu'est-ce que je vais avoir comme récompense? D'accord. Ça, c'est depuis la 1.47. Je sais pas. Y a le temps de retour au menu est augmenté. Alors, on disait... Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Hop. Moi, ça me va. Et... Tac. Voilà, allez, ciao !